L'apiculture moderne est une activité génératrice de revenus, mais aussi une solution pour lutter contre le conflit homme-faune. Au Gabon, elle reste encore peu pratiquée. C'est dans cette optique que plusieurs agriculteurs venus de 5 provinces du pays renforcent leurs capacités dans le domaine à travers une formation de 3 jours. De façon concrète, la formation concerne un des aspects tout à fait pratiques. Et nous avons eu une première phase théorique et là nous sommes vraiment à une phase pratique où nous ne voyons que des éléments basiques en termes de théorie et après nous allons sur le terrain pour observer les abeilles, pour observer les ruches, pour leur montrer tous les aspects en rapport avec la production de miel et la pratique de l'apiculture moderne. Le secteur est prometteur au Gabon, mais pour ces agriculteurs, l'urgence, c'est la lutte contre le conflit homme-faune pour protéger les cultures. L'apiculture vient ici comme une solution pour résorber à ce problème de conflit homme-faune. Donc c'est la raison pour laquelle je suis ici, pour utiliser non pas des solutions létales, mais des solutions de protection de la biodiversité. L'apiculture, aujourd'hui, s'avère être l'un des moyens qui peut favoriser l'épanouissement des villages dans le cadre du développement communautaire et ce qui s'ensuit. Le programme de recherche de l'Institut de recherche agronomique et forestière permettra aux différents participants de se lancer dans l'apiculture moderne une fois la formation terminée. Avec ses variétés de colonies d'abeilles, le Gabon est une terre propice au développement de cette activité. Il faut noter que la pratique de l'apiculture nécessite une connaissance du secteur.